Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and we'll see in this video together les expressions and more precisely one French expression, and here it is, faire de la monnaie, faire de la monnaie. Okay, so let's see now what it means in English. So the translation is here. Okay, so faire de la monnaie. And we'll see now an example. Excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Okay, so let's imagine you would like to have some change. And, well, you want to ask that really politely. So this is the sentence that you could use. Excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Okay, so a bit slower. Excusez-moi. Pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Remember, you should raise your voice at the end here, okay? So, excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? And in that case, you can say that you want to use this pronoun me, just to make it clear that it's for you, okay? So, if we think about this expression, in that case, you will have to use this pronoun, like here, me, okay? So, let's see how they will go with the other persons. So the first one, as we saw, so if it's for you, if it's me, okay, so in that case it's me faire de la monnaie. And then te faire de la monnaie would be for you, the second person of the singular, okay. And then if it's for, oops, there is a space here, sorry, lui, okay, so it would be for the masculine form at the singular. Lui faire de la monnaie, okay, so here you can see the masculine, and it's quite strange, but then it's the same pronoun, even if it's feminine, so lui faire de la monnaie, if it's for the feminine form, singular, okay, so let's see now the plural form, and so it would be nous faire de la monnaie, and then for vous faire de la monnaie. So now, leur faire de la monnaie, so it's the third person of the plural, and in that case it's the masculine, and it's exactly the same for the feminine form, leur faire de la monnaie. Okay? And voilà, au revoir et à bientôt! Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and we'll see in this video les expressions, but then more precisely only one French expression, and here it is, faire du lèche-vitrine, faire du lèche-vitrine, faire du lèche-vitrine, okay, and here is the translation in English, faire du lèche-vitrine, and let's see one example, un exemple. J'adore faire du lèche-vitrine avec ma mère. J'adore faire du lèche-vitrine avec ma mère. And of course, if it's a teenager, then this sentence wouldn't be possible. But then let's assume this person is not a teenager. So, j'adore faire du lèche-vitrine avec ma mère. So let's see now if you want to put this expression, faire du lèche-vitrine, at the past tenses, and so I've been deciding to put nous, just to change a little bit. Nous avons fait du lèche-vitrine, so this is the passé composé. Nous faisions du lèche-vitrine, imparfait. Nous venons de faire du lèche-vitrine, and this is passé récent. Nous avions fait du lèche-vitrine, and it's plus que parfait. Okay, so one more time. Nous avons fait du lèche-vitrine. Nous faisions du lèche-vitrine, nous venons de faire du lèche-vitrine, nous avions fait du lèche-vitrine. And let's see a few other tenses. And the first one is futur simple. Nous ferons du lèche-vitrine. Nous ferions du lèche-vitrine. In that case, it's conditionnel présent. Nous allons faire du lèche-vitrine. This is futur proche. And que nous fassions du lèche-vitrine, this is subjonctif présent. So one more time. Nous ferons du lèche-vitrine. Nous ferions du lèche-vitrine.
Nous allons faire du lèche-vitrine que nous fassions du lèche-vitrine. Voilà, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and we'll see in this video les expressions, and then more precisely one French expression. And this expression is right here now, faire du saut à l'élastique. Faire du saut à l'élastique. Faire du saut à l'élastique. And here is the translation in English, right here. Faire du saut à l'élastique. And let's see one example. Un exemple. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. And let's see how it will go if we conjugate this expression. So, at the future simple form, it would go like elle fera du saut à l'élastique. And then, conditionnel présent would go like elle ferait du saut à l'élastique. Futur proche, elle va faire du saut à l'élastique. And then, subjonctif présent, qu'elle fasse du saut à l'élastique. Okay, so, elle ferait du saut à l'élastique. Sorry, elle fera du saut à l'élastique. So it's the future simple form. Elle ferait, and in that case it's here, elle ferait du saut à l'élastique. This is the conditionnel présent. Elle va faire du saut à l'élastique. This is future proche. Qu'elle fasse du saut à l'élastique. And this is subjonctif présent. Okay, so let's see now the past tenses. Elle a fait du saut à l'élastique. This is passé composé. Elle faisait du saut à l'élastique. It's imparfait. Elle vient de faire du saut à l'élastique. Passé récent. Elle avait fait du saut à l'élastique. This is plus que parfait. Okay, so one more time. Elle a fait du saut à l'élastique. Passé composé. Elle faisait du saut à l'élastique, imparfait. Elle vient de faire du saut à l'élastique, passé récent. Elle avait fait du saut à l'élastique, plus que parfait. I hope it was clear. Merci encore, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and we'll see together in this video les expressions, but then more precisely we'll work on one French expression, and here it is, faire du stop, or then faire de l'autostop. Okay, faire du stop, faire de l'autostop, and here is the translation in English. Okay, faire du stop, faire de l'autostop. We can see one example, un exemple. Demain, nous allons faire du stop pour aller à Rennes. Demain, so tomorrow, nous allons faire du stop. So here you've got this near future form. Pour aller à Rennes. Pour aller, aller is to go, à Rennes. Rennes is a town. Demain, nous allons faire du stop pour aller à Rennes. So let's see now if you want to put this expression at different tenses. So, faire du stop, faire de l'autostop. And the first one will be le futur simple. So, the future tense. Nous ferons du stop. Nous ferons du stop. And then conditionnel présent. Nous ferions du stop. Futur proche. Nous allons faire du stop. Subjonctif présent. Que nous fassions du stop. Okay, so one more time. Nous ferons du stop. Futur simple. Nous ferions du stop.
conditionnel présent, nous allons faire du stop futur proche, que nous fassions du stop subjonctif présent. So let's see now the past tenses. Nous avons fait du stop, passé composé. Nous faisions du stop, imparfait. Nous venons de faire du stop, passé récent. Nous avions fait du stop, plus que parfait. Ok, so one more time. Nous avons fait du stop, and it's passé composé. Nous faisions du stop, it's imparfait. Nous venons de faire du stop, passé récent. Nous avions fait du stop, plus que parfait. Et voilà. Merci, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And we'll see together in this video les expressions. But then, as usual, we will focus on one French expression. And here it is. Faire faire quelque chose à quelqu'un. Faire faire quelque chose à quelqu'un. Okay, so no mistakes here. You have two times the verb faire, okay, so the expression goes like that, faire faire quelque chose à quelqu'un. So if you want the translation in English, it is right here. Faire faire quelque chose à quelqu'un. And let's see one example now. Un exemple. Il fait faire le travail à son ami. Il fait faire le travail à son ami. Okay, so you can see that the first faire actually is conjugated here. Okay, it's the present form. Il fait. And then you put the second verb, faire, at the infinitive form. Il fait faire le travail à son ami. Okay, and in many situations, well, we will try to avoid repeating words. And so this à son ami part that we call complément d'objet indirect can be replaced by a pronoun, and it's right here, lui. So basically, you've got the same sentence here. Il lui fait faire le travail. Il lui fait faire le travail. Okay, so let's see now how we could, well, put this expression at different tenses, and then we'll put as well the pronouns. So for the first example here, we've got the futur simple form, okay, and then the person will be me, okay, so it's for the first person of the singular. Il me fera faire le travail. So as usual, you can see that we only conjugate the first faire, and then the second one stays here at the infinitive form. Il me fera faire le travail. Okay, so if we get the conditionnel présent form, and then for the second person, so for tu, okay, il te ferait faire le travail, and then for third person of the singular, and it's the masculine here, il va lui faire faire le travail, and it's the futur proche here, il va lui faire faire le travail, and then subjonctif présent, third person as well, but then in that case it's the feminine. Well, actually it's exactly the same pronoun, okay, but it is the feminine here. Qu'il lui fasse faire le travail. Okay, qu'il lui fasse faire le travail. So let's see one more time. Il me fera faire le travail, futur simple. Il te ferait faire le travail, conditionnel présent. Il va lui faire faire le travail, futur proche. Qu'il lui fasse faire le travail, subjonctif présent. And so, and yeah, let's see now for the past tenses. Il nous avait fait faire le travail. And in that case, it's passé composé, okay? And then the pronoun here is for the first person of the plural. So, nous, oui. Il
nous avait fait faire le travail. Here it's imparfait. Il vous faisait faire le travail. Okay, in that case, it's for the second person of the plural, vous. Passé récent, and it will be for the third person of the plural, so it will be il at the plural. Okay, so in masculine form, in that case, you get the pronoun is leur. Il vient de leur faire faire le travail. Il vient de leur faire faire le travail. And the last one is for the plus que parfait form, third person of the plural, and it's the feminine here, leur. It's exactly the same masculine and feminine. Il leur faisait faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Okay, so one more time. Il nous avait fait faire le travail. So maybe I should put the liaison here. Okay. Il nous avait fait faire le travail. Il vous faisait faire le travail. Il vient de leur faire faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Okay, so I know it may sound a bit difficult to make, and well, because the structure and the expression is quite strange to have two times faire, okay, so faire, faire. Keep in mind that, well, you can always try to watch again the video if it's not clear, and don't worry, it will come one day, it will come, okay? Have a great day, au revoir, et à bientôt.